Nous allons voir aujourd'hui comment effectuer des opérations sur les nombres relatifs. Un nombre relatif peut être soit positif, soit négatif. Calculer, on a ici A égale 6,2 plus moins 8 plus 4,2 plus moins 1,5. Vous remarquez qu'on a des nombres positifs. Et des nombres négatifs. Donc pour faciliter les calculs, on va regrouper les nombres positifs, d'accord, puis les nombres négatifs. Ou bien le contraire. Donc, égal les nombres positifs qu'on a, 6,2 plus 4,2. Plus. On regroupe les nombres négatifs. On a moins 8 plus moins 1,5. Après, on effectue les calculs. 6,2 plus 4,2 égale 2 plus 2, 4, 4 plus 6 égale 10 plus les, les, la somme des nombres négatifs égale un nombre. Né Pardon. La somme de deux nombres négatifs égale un nombre négatif. Donc, 8 plus 1,5 égale 9,5. D'accord 8 plus 1,5. 8,0. Donc, 0 plus 5 égale 5. 8 plus 1 égale 9 et la virgule donc moins 9,5. Voyez, on a un nombre positif plus un nombre négatif et on a 10,4 est supérieur à 9,5. Donc le nombre positif est plus grand que euh, ici que le nombre négatif. Donc le résultat sera positif. Et après, on soustrait 9,5 de 10,4. D'accord 10,4 est, euh, 10, est plus grande euh, que 9,5. Donc le résultat sera positif. Et après, on soustrait 9,5 de 10,4. 4 moins 5, donc j'ajoute ici 1. 14 moins 5 égale 9. 10 moins 10 égale 0. D'accord Donc A égale 0,9. On passe maintenant à la deuxième opération. Donc égale la même chose.

Et on sait que la somme de deux nombres opposés égale 0. Donc, j'ai ici plus moins 2,7 plus 4,45 plus moins 4,45. La somme de ces deux nombres me donne 0. Donc, qu'est-ce qu'il me reste Il me reste 2,3 plus moins 2,7. Vous faites attention ici, on a un nombre négatif. D'accord Ici, j'ai un nombre positif. Et en plus, on a 2,7 supérieur à 2,3. Donc, le résultat, cette euh, somme a le signe moins. D'accord

oui à la pour c c'est égal moins 2,8 plus moins 5,1 plus moins 1,1 plus 7 ici on a déjà les nombres négatifs regroupés d'accord et on a un nombre positif donc qu'est ce qu'on va faire on peut calculer moins 2,8 plus moins 5,1. D'accord on, on effectue les calculs de gauche vers la droite. Donc, moins 2,8 plus moins 5,1. Deux nombres négatifs, leur son est négatif. D'accord Donc, 8 plus 1 me donne 9. 2 plus 5 me donne 7. Donc égale moins 7,9 plus moins 1,1 plus 7. Donc égal. La même chose, on effectue la somme de, de ces deux nombres. La somme de deux nombres négatifs égale un nombre négatif. Donc 9 plus 1 égale à 10. J'écris 0, je retiens 1. 7 plus 1, 8. 8 plus 1. 9 plus 7. Maintenant, vous faites attention. J'ai moins 9 plus 7. Moins 9,0, c'est-à-dire moins 9. Moins 9 plus 7. Donc, j'ai 9 plus grande que 7. Donc, le résultat prend le signe de. Ce nombre, c'est-à-dire il sera négatif. Et après, je soustrais. 9 moins 7 me donne 2. Le résultat pour C. Donc C égale moins 2. On passe maintenant à une autre opération. Vous essayez de la faire. D'accord Et après, vous corrigez. Égal, d égale, on a moins 7,2 plus 22,12 plus 7,2 plus moins 19. Qu'est-ce que vous remarquez On a deux nombres opposés. Moins 7,2 plus 7,2. Et la somme de deux nombres opposés égale 0. D'accord donc, on peut écrire 22,12 plus moins 19 plus moins 7,2 plus 7,2. La somme de ces deux nombres égale à zéro. Donc, qu'est-ce qu'il me reste 22,12 plus moins 19. voyez on a 22,12 supérieur à 19 et 22,12 c'est un nombre positif donc le résultat prend le signe de ce nombre c'est-à-dire il va être positif et après qu'est-ce qu'on va faire on va soustraire 19 de 22,12 égale 12, 12, moins 19 égale combien euh, 22 pardon 22 moins 19 égale 3 donc des égales 3,12 on passe à e. donc la même chose, j'ai deux nombres opposés, leur somme égale 0. Donc, qu'est-ce qu'il me reste Il me reste moins 7,1 plus moins 4,3. Ici, on n'a pas de problème, la somme de deux nombres négatifs égale un nombre négatif. Il ne faut pas oublier le signe moins. Donc, 7,1 plus 4,3, 1 plus 3 égale 4, 7 plus 4 égale égale 11. Donc E égale moins 11,4. On passe maintenant à la dernière opération. Moins 5,1 plus 6,3 plus moins 4,2 plus 2,1. Neuf sujets. On va regrouper les nombres négatifs. إلى نومبر بوزيتيف، نضع الأعداد السالبة وحدها ثم الأعداد الموجبة، ناقص أو العكس، ناقص خمسة فاصله واحد زائد ناقص أربعة فاصله إثنان زائد ستة فاصله تلاته زائد إثنان فاصله واحد، ناقص خمسة فاصله واحد زائد ناقص أربعة فاصله إثنان. عددين سالبين إذا مجموعهما عدد سالب، واحد زائد اثنان، ثلاثة، خمسة زائد أربعة، تسعة، ستة فاصلة ثلاثة زائد اثنان فاصلة واحد، ثلاثة زائد واحد، أربعة، ستة زائد اثنان، ثمانية. الآن يجب أن تنتبهوا جيدا عندي هنا عدد سالب. وهنا عدد موجب كما أن عندي تسعة فاصلة ثلاثة أكبر من ثمانية فاصلة أربعة إذا النتيجة ستأخذ إشارة هذا العدد لأن تسعة فاصلة ثلاثة أكبر من ثمانية فاصلة أربعة إذا ناقص ثم أقوم بطرح ثمانية فاصلة أربعة من تسعة فاصلة ثلاثة يعني تلاتة عشر ناقص أربعة تعطيني تسعة، تسعة ناقص تسعة تعطيني صفر، إذا إف يساوي ناقص صفر فاصلة تسعة. المرة المقبلة سنقوم بإنجاز تمارين تخص الطرح اليوم راينا الجمع المره المقبله سنرى الطرح ثم الضرب وهكذا على بروشين سيكونس والسلام عليكم